La course de chèvres Oxford-Cambridge. Quand on pense à Londres, on pense à deux chèvres qui détalent comme des malades derrière un seau de bouffe bien fraîche, non? Y'a que moi? Vous êtes chelous les gens. Chaque année en Grande-Bretagne, les grandes universités qui cherchent en permanence à savoir qui est la plus grosse s'affrontent dans des combats épiques car les riches seigneurs du coin n'ont rien d'autre à faire de leur vie. Nul. Du coup, depuis 1829, les étudiants des universités d'Oxford et de Cambridge s'affrontent non seulement dans une course de bateaux qui attire des millions de personnes sur les berges de la Tamise, mais ça, c'est sans intérêt. La vraie course, c'est celle qui se tient à la ferme municipale de Spitalfields. Vous verrez alors deux belles gosses de chèvres parées de leurs plus beaux vêtements de marque en train de courir dans la boue. L'une d'entre elles porte une toge bleu cyan représentant Cambridge. L'autre est revêtue d'un costume bleu foncé couleur d'Oxford. Fière représentante de leurs universités, ces deux chefs se livrent une course de fifou pour savoir qui est la plus balèze et mérite le respect. Par contre, les chefs sont des têtus de première catégorie. On n'allait pas leur faire faire une course normale sans qu'elles grattent un truc en échange. Du coup, une personne doit les attirer avec un seau de nourriture sinon elles n'avancent pas. Mais bon, le résultat elle-même, elles cavalent.